Kubuku invites you to dance, ok. Slash dance. Ah. C'est très compliqué de gagner le MDI. Ouais, c'est dur, hein. Comment ça se fait qu'ils aient battu les Echo et les... Non, c'est qui déjà les meilleurs, là? C'est toujours Echo, il y a des guildes américaines qui sont zinzin. Ils ont battu des monstres, là. Bah, Echo, ouais, Echo, Liquid et tout. Echo, ils ont des rosters de fou furieux, hein. J'avoue, je regarde pas trop... Je sais pas si tu peux appeler ça de l'e-sport, sur vous, j'imagine que oui. Je regarde pas trop, mais si la France commence à devenir forte... Il solo. Attends, il solo ou pas? Mais non, on fait une BT quand même. Ok, il le fait. Qu'est-ce que je prends? Ok, une autre BF. Là, en vrai, MDR a vraiment bien joué, ok. Bah, je regarderai peut-être, hein. Moi, j'avais un peu lâché. J'aime bien dans l'idée. Mais bon, après, il faut être très patient pour regarder des MM+ aussi. Hein. Parce que les donjons sont très longs. Merde, j'ai raté le palier. What the fuck? Attends, mais ça, c'est broken. On s'en fout d'avoir 3 bench slots. What the fuck? C'est dingue. Oh, jure. Oh, ça met bien, ça. Je sais pas ce que je fais comme item. Là, c'est clairement du stuff un peu... Ah, putain, le palier que j'ai raté juste avant, il me fait perdre le palier des 20. Oh, je suis dégoûté, là. Ok. Ouais, c'est H... H, Kaisa, Irelia comme stuff. C'est pas mal. 15 minutes, ok. En fait, moi, vous savez, j'ai joué à Dragonflight en 2023 avec Zerator, justement, dans un hôtel à Montpellier. C'était il y a 1000 ans. Moi, il y a déjà eu 3 sets de TFT depuis, tu vois. Et là, au MDI, c'était les mêmes donjons, du coup. Après, il y a une petite rotation dans les donjons. Mais c'est ça, mon problème avec WoW, c'est que c'est un jeu qui bouge tellement doucement. Faut être bien accroché, quand même. Darius, il est pas AP. Ouais, mais tu t'en tapes, il fait des auto-attaques. Là, c'est pas Darius reroll, hein, c'est Darius tempo early game. Mais comme il est dueliste, il fait beaucoup d'auto-attaques. Tu vois, il est fort, hein. Oh, le palier que j'ai raté, il m'a coûté 3 déjà. 3 paliers, là. Après, chez MDR, je soutiens l'équipe, il y a que un FR, il y a un Américain et les autres. Pas sûr, un Polonais aussi, je crois, vu l'accent. Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. En fait, c'est cool quand un club francophone gagne, peu importe les joueurs, je trouve. C'est mieux s'il y a de la francophonie parce qu'on se sent un peu plus proche, mais c'est quand même fine. Vas-y, on va se la mettre une petite BT là. Bam. Là, je vais avoir 3 items à la fin du stage, quand même, m'en fous. Hop là, il va exec. Je ne vois pas qui rentrait. Est-ce que c'est Kayle? Ah putain, ouais, je peux pas. Je n'ai pas. Je ne peux pas tout. Pour rentrer sur le bench. Ah, le Garen, la paire de Garen est cool quand même. Parce que j'ai Gnar. Pourquoi Darius gagne pas de mana, vous savez? Ok, là il en gagne. Son mana est lock tant qu'il fait pas ses auto-boostés. Ah ouais, pendant 4 secondes. J'apprends. Je pensais pas que j'allais win streak. Je suis content. Aïe. Et boum! Bon, Yone, ça a l'air d'être bien fort aussi en early. Mais vous vous rendez compte, ça m'a rien coûté de sacrifier mon bench? Janna Shen. On va garder la Riven. Et on va acheter le Horn là. Et le Shogat. Ouais.
Shogun, ça part, non? Attends, je vais avoir plein d'items là. Oula. Blue Buff GS, ça part direct, hein. Hop là. M'en fous pas, lui. Est-ce qu'on peut garder la streak encore un peu? Mais oui! Mais Darius, c'est un truc de fou. Époque. Rigolo ça. Hein. Bon, c'est Page of Night. 4 rôles gratuits. J'ai un Warden, un Behemoth et un Bruiser là, ça va pas du tout. Le plus BG des BG, un 33D unide, Maisy Wenfin. Non, j'ai perdu. Non! Ça, c'est Warden, c'est bien. Ça, c'est Behemoth, c'est bien. La Riven, elle part. C'est cool d'avoir... Qu'est-ce qui nous arrive, là? Trop bien. Oh, c'est pas mal ce qu'on a là. Ah, trop bien, après je suis troisième à choisir. Non, j'ai peut-être été un connard là. Prendre la gemme alors que j'ai pas d'item de front, c'est peut-être bête. C'était un Horn 2 en fait, ouais. C'était un Horn 2. Pourquoi c'est que 1 là? Vous savez pourquoi c'est que 1 ou pas? T'as mis personne mais ça change rien. Prends ça si si. Faut mettre une personne pour que ça monte. Mais pourquoi? Et la gemme génère pas d'argent? Oh, what the fuck? Je savais pas. Non mais il change trop de trucs. Arrêtez de toucher à TFT. Ah ouais. For the next 3 rounds. D'accord. Non mais par pitié, arrêtez de toucher à TFT, et le jeu est très bien. Bah ça fait, trop, ça fait une ascension silver, ouais, c'est pas dingue. Hein. Mais je savais pas que ça faisait pas de sous, frère. J'aurais jamais pris ça. On va faire Ela Oi 3 Trust. Sage, c'est bien. Sage, c'est très très bien. Des items tank, des items tank. C'est bien. Ok, on level up. Sage. Les browsers sont bien là. Ah putain, j'ai des rôles gratuits.
Les Brothers sont bien, ils sont vraiment arrivés super vite là. Hein. Et Kill Warden en trop, c'est... Ah oui, c'est Amumu. C'est Binary, hein. Ça pourrait vraiment être ça aussi. Non, c'est Binary. Elle part, hein. Ah mais du coup, j'ai plus de bons porteurs. C'est Diana. Ah putain, j'ai oublié de remove. Allez, ton truc à faire là. On pourrait ainsi faire Wukong. Le bordel. Ça va bien avec Huawei, hein. Morgana ou... On verra. Oh, j'ai rien remis sur Huawei. Je pense qu'il aurait fallu. Je sais pas. Après, ça et là, c'est deux, hein. J'ai oublié Huawei. J'étais en mode mais putain, j'avais vachement d'items en fait. Pourquoi elle a un item Huawei là? Ok, c'est Orm. Très bien. Ça va être dur d'être en Europe si je fais des trucs comme ça. Après, le truc c'est que je pourrais lui mettre la gemme de Diana. Mais Diana, je peux l'enlever là, c'est juste sage. Ouais, je sais pas. Mais là, je lui mets la gemme de Diana et un autre item et c'est bon. Voilà, Morgana. Big. Oh, ça c'est parfait ça. Oh là 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 là. Et j'ai Ghostly en plus, ça suffit, j'ai tout. On le met sur Huawei. C'est parfait je pense. Mais lui il a plus BMO ce con. Ah bah c'est Udi hein. Ah vous le savez hein. Ah trop bien ma compo. Statistac tranquille. Je trouve que le Sylas en fait il porte bien les items. Et dans mon erreur j'ai fait un putain de bon play de génie. Et là s'il fait trop mal. Il adore Blue Buff hein. Alors j'attends de voir les dégâts à la fin du fight là. Mais attendez mais Sylas c'est... Mais... le sien. Bah non mais on va vraiment lui laisser ses items hein. Bah non mais c'est 10 000 c'est un tank. Ah ouais. Sage 3. Blue buff, red buff, ça et là, c'est le bis bam. Donc là, juste après, je vais avoir 8 d'XP et 4 rôles gratuits. Bon, c'est trop bien pour aller 9. Hein. Là, on rentre une Lissandra ou alors un Udyr. Et après, on peut toujours cut Orn s'il y a besoin. Voilà. Si jamais on rentre pas Udyr. Et on va voir, il a E3 naturellement. Et ça va être bien. Grâce à Huawei. Attends, c'est dur là. Hein? Huawei a pas fait de dégâts là sur son dernier cast, on est d'accord? C'est un peu dommage de gagner. J'ai l'impression que je perds tout le temps que contre Ink Shadow. Y'a moyen de rentrer Evenly ou pas? Enfin, Nico c'est arcaniste, mais ouais. Altruiste. Ah, parce que là après on veut rentrer des Rakan quand même. On verra, mais y'a encore des trucs à faire, je pense. Ah bah non mais du coup le Horn est bien maintenant. Ouais ça là c'est les dingus. Là on attend juste... Là on attend juste les légendaires 2 et... Après ouais il y a ça et là c'est Galio qui pourrait partir pour full légendaire. Pour genre Rakan 2... C'est Ilaoi ouais. Donc genre admettons Rakan 2, Lissandra 2 c'est peut-être meilleur que ça et là
Galio, je pense. Peut-être. Ouah, des items, donnez-moi des items. Ah ok, component en ville, c'est un demi-item. Après un demi-item, pour moi, ça peut suffire. C'est un 22 balles. Hein. Un demi-item, pour moi, c'est une bonne arrêt en plus. Oh, mais artifact, ça va être trop cher, non? J'aurais dû écho. Dit-il parce qu'il a rien trouvé, bien entendu. Sinon, je fais un red buff sur Morgana. Parce qu'elle touche trop de gens. Donc c'est trop fort. Et fuck le prochain binary. Voilà. Non, Morello Hawaii, c'est moins bien, je pense. Si 7 gemmes donnaient de l'économie, le chat. Je serai. Et je n'ai pas les mots de ce que je serai. Mais ça serait bien. Ghostly. Donne-moi il a oeil, comme ça je peux l'enlever de la case. Énervant. Je veux pas. Ok, regardez ce qu'on va faire. On va Shojin le Galio parce qu'il part après. Le Galipo. J'aurais dû écho. Voilà, vous pouvez m'accabler. Accablez-moi d'ailleurs. Il a eu 3, yes! You are not in motion! Boum! Et boum! Non. Il faut me donner Wukong 2, Ugir 2 et 7-2 au bout d'un moment, non? Quand même. Et Rewai 2! J'ai jamais vu de Rewai depuis le 3-2, j'ai vu cette Rewai en 3-2. C'est bizarre. Moi je pense qu'il y a non seulement Anguille sur Roche, mais peut-être d'autres poissons aussi. Il a eu tank. Je peux rien faire, j'abandonne cette partie. 10 combien? 10 000? Il a combien de Kane là? Oh. Kane. 6 Kane. Umbral c'est un peu fake à ce niveau. Mais je sais, mais je fais pas exprès frère. Mais je te dis, je vais enlever les deux là quand j'ai mieux. Mais je fais pas exprès là de jouer Umbral. Hein. C'est malgré moi. Hein. Le stuff de Huawei est très gaze. Bah pardon. Avoir du stuff parfait sur tout le monde. Hein. On avait dit c'était quoi l'autre? C'est qui à la place de Nico là, vous savez? Ah oui, c'était Rakan, putain. Oh, des items pour moi, c'est vraiment bien. Udyr, c'est broken. Udyr, top dégâts, bam. Allez, je trouve tout.
Le chat, j'ai rien envie de vendre. Si je peux vendre ça. Fuck it. On lui dire. On m'a eu dire. Dire tu vas aller en prison. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu autant de puissance. Oh. C'est énervant. Alors. Allez UD. Bon là je commence à avoir pas mal. Et Revoy c'était top, ça m'a filé. Il a eu 3 gratos, moi je suis content. Ah Udyr c'est fou par contre. Ok là Udyr s'est fait proc, il va commencer à tabasser. Là il est un peu bloqué sur un tank. Ah il s'est fait malaxer. Là il s'est fait malaxer. Je comprends rien ce qu'il fait Wukong. Hein. Mais ça a l'air plus fort qu'avant en tout cas. Morgana trop forte. Hein. Morgana tout le temps top dégâts. Incroyable Morgana. En fait Morgana va trop bien avec tous les légendaires. Parce que tous les légendaires font trop d'AOE. Seth ça fait trop d'AOE, Huawei, Wukong, Udyr ça fait trop d'AOE. Et du coup l'épique qui fait le plus d'AOE avec qui va trop bien avec tous ces légendaires c'est Morgana. Et en plus elle a des très très bonnes synergies.